Hello tout le monde, c'est Missix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, le format sera un peu différent. On va plonger un peu plus précisément dans la production musicale et pour ça, on va s'attaquer au cœur de ma passion, le beatmaking. Pour résumer simplement, dans le milieu du hip-hop, le beatmaker est celui qui va composer des instrumentales pour que le rappeur puisse poser dessus. Il y a une infinité de genres possibles évidemment, mais parmi les plus en vogue, on retrouve la trap. We don't get no fuck, no. La trap. On a acheté notre la trap. Le père est raciste et leur mère est chaude. Et enfin, la trappe. On va donc faire ensemble une instru balmusette, trappe, dans le style de UFD. C'est parti. Le but de ce format étant un focus sur la composition sur Ableton Live, la présentation de l'artiste sera brève. UFD est un rappeur originaire du 9-5. Très influencé par le rap US, notamment Lil Wayne, il s'est fait connaître avec ses deux premiers projets, Gear 2 et Gear 3, et vient tout juste de délivrer Planet Mars, son troisième opus dont on va s'inspirer pour cet instru. La majorité des prods ont été faites par le beatmaker bordelais Noxious et le rennais Skuna. Ok, on entre dans le vif du sujet. Sur Planet Mars, les prods ont un BPM soit aux alentours de 125, soit 150. On va partir sur un truc bien dynamique, mais aux sonorités planantes, 150. Pour la mélodie, on va plaquer quelques accords qui vont nous donner l'ambiance du morceau. J'ai choisi un preset de Nick Mira sur Omnisphere et je suis parti sur ça. Je l'ai filtré avec un EQ en enlevant les fréquences basses et hautes pour lui donner ce son un peu étouffé. On duplique la piste avec les mêmes réglages, on change le son du synthé qui jouera les accords mais cette fois-ci avec un effet trémolo bouncy. On va utiliser Kickstart et le régler comme ça. On va jouer notre mélodie par-dessus, j'ai envie de mettre des bells bien brillantes. On va agrémenter tout ça en ajoutant le plugin Halftime qui va créer à lui tout seul une contre-mélodie dans des fréquences plus basses, ça va donner du corps à la mélodie. Pour apporter de la richesse et de la texture, on va stacker ça avec un synthé aérien. On va les grouper, les filtrer de la même manière que nos accords pour une belle homogénéité et utiliser un autopan pour leur donner du mouvement et de la spatialisation. Si on joue toutes les pistes ensemble, ça donne ça. On va maintenant jouer cette mélodie avec un synthé plus brillant. J'ai choisi d'utiliser Electrax de Tone 2. J'ai appliqué un halftime avec la même configuration que précédemment, mais j'ai filtré moins de fréquences hautes justement pour garder cette brillance. Et je l'ai stacké avec un autre preset avec plus d'attaque. Ça me paraît pas trop mal comme ça, il est temps de passer au drum. On va commencer par le kick. Puis le clap. Pour les hi-hats, on veut du rythme, on va faire une ligne comme ça. Une cymbale qui vient taper toutes les 4 mesures. On va rajouter des percussions à contre-temps pour dynamiser tout ça. Avec le reste, ça donne ça. Il nous reste le saint élément, celui qui fait le bonheur de tous, l'élément clé de la trappe, la 808. Je suis parti sur une ligne plutôt simple qui vient taper sur tous les kicks. Bon, ça sonne bien pauvre comme ça, mais après une bonne disto avec le Camel Crusher... Avec le reste, ça donne ça.
donner plus de vie, on va rajouter un effet de glide. Pour ça, il faut aller dans le simplet et dans la gestion de l'enveloppe, il faut activer le glide ici, là. Et maintenant, lorsque vous allez placer une note par-dessus une autre, bah c'est stylé. Maintenant, l'idée c'est de structurer tout ça, de faire quelques arrangements et de faire un peu de mixage. J'ai mis un tambourin avec de la panneau pour le refrain, placer quelques FX et surtout rajouter un synthé avec de la disto pour les couplets. Concernant le mix, j'ai groupé les drums excepté le kick et appliqué une reverb très subtile pour les lier et un peu de délai sur les claps. J'ai sidechainé tous les synthés et la 808 sur le kick pour qu'ils soient plus percussifs. Et globalement, c'est tout. Et oui, dans le beatmaking, c'est important de pas trop en faire. L'instru étant destiné à un rappeur, il faut laisser de la place pour sa voix qui va souvent venir ajouter une nouvelle mélodie. D'ailleurs, le beatmaker peut lui-même composer cette mélodie en la chantant en yaourt par-dessus la composition pour guider l'artiste. C'est ce qu'on appelle une top line. Avant de vous faire écouter le résultat, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à liker, partager et commenter si ce genre de format et de contenu vous plaît. N'hésitez pas également à me faire part d'idées ou de concepts que vous aimeriez voir ici, je vous mets tous les liens pour me contacter dans la description. Bonne écoute et à la semaine prochaine.